Et salut à tous les ozos, nous revoici directement dans la salle du taureau pour continuer cette petite aventure. Alors je crois avoir compris exactement ce qu'il faut faire, regardez bien, on va attendre un petit peu qu'il se mette en place. Et apparemment il faut juste lui sauter dessus, il faut absolument pas faire ce que je faisais jusqu'à présent. Vous voyez, par exemple là j'y suis, et vous voyez, on entend un espèce de tut, ce qui veut dire que, a priori... Voilà, là c'est bon, là le compteur commence. On essaie de se maintenir dessus, on essaie de se maintenir dessus. Ah ! 6 secondes. 6 secondes quoi. 6 secondes, c'est nul. Je suis. Quoi que je suis en 3ème position. Allez, même pas 10 secondes. Merci Tex. Je t'aime bien. Je t'adore. Salut. Sympa. Bon allez, on va quitter cette petite partie. Lui, il voulait un disque aussi. Ce jeune homme là. Il voulait un disque. Piston, ça. Alors, ça ne m'a toujours pas aidé sur... Sur de l'eau. De la fucking water. J'aurais bien voulu faire les quêtes, en fait, avant d'aller affronter le shérif. J'aurais trouvé ça plus sympa, vous voyez. Mais pour le moment, j'avoue ne pas avoir trouvé d'endroit. Oh, oh. Bien fait de revenir en arrière, moi. Bien fait de revenir en arrière, moi. Des bottes d'argent. Enfin, des bottes équipées en argent. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on va faire, puisqu'on est là, c'est qu'on va laisser là un petit peu tout le matériel qui ne me sert plus. Ça, ça ne me sert plus. Ça, ça ne me servira plus. Ça non plus. Ça, on va le mettre là. Oh, j'ai un piton. Oui, on va le ranger dans ce cas-là. Voilà, la houe, je pense pas qu'on en ait encore besoin. La ficelle, je pense pas. La tête de creeper, non plus. Ça, c'est à manger. La chair putréfiée, non merci. Des yeux d'araignée, non plus. Des graines de blé, je ne pense pas non plus. Hop. Hop. Ça, on va le laisser là. Ça aussi. Steak de buffalo, leather hat, on peut le laisser là. La laisse, on va la garder avec nous pour... Et ça, on en a plus besoin. Voilà. Un petit peu de vide comme ça, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Repartons. On va essayer de se refaire toutes les petites maisons. Ici, lui, qu'est-ce qu'il m'avait demandé déjà? Ah, voilà, c'est lui qui voulait les dynamites. Thanks. Je t'en prie. 2 honneurs, 3 émeraudes et 2 XP. Un pec. Qu'est-ce que ça me dit de beau ici? Rien de particulier. Tout va bien. General Store. Alors, là je l'ai fait, là je l'ai fait, là c'est le shérif. General Store, j'y suis passé. C'est ma vieille maison. C'est ma vieille maison. Ah, c'est donc là que j'ai habité. Salaud. Et je peux grimper contre cette fenêtre. Me voilà chez moi. Et ouais. Et ouais, et ouais. Ici, c'est pareil. Enfin, ici, c'est chez moi, quoi. C'est joli, ça. Alors... Oh yeah. Ouh. Hou hou hou. Ça, on récupère. Oh. Voilà, voilà. On commence à être super bien équipé là, quand même, hein, avec tout ça.
Ben voilà. Voilà, on est passé chez nous, on a pu regarder un petit peu. Effectivement, il y avait deux lits, donc je pense qu'on était quelques-uns dans la maison. Je sais pas encore si ce genre de choses est pas. Est pas utilisable quand même, je sais pas. Il faudrait que je regarde. Voilà. Ça, c'était sympa. Voilà les shérifs. Alors, General Store. J'ai déjà visité, mais je suis pas allé là-haut. Vous voyez? Et comme apparemment, dans les hauts, il y a toujours des trucs intéressants, on va aller voir. La force. May the force be with you. Non, pas possible. Ok. Salut mec, je faisais que passer, hein. T'inquiète pas pour moi. Toi, tu vends de tout, mais en nombre limité. D'accord. Ah bah voilà, il y a un fucking puits là. Super. Saloon, saloon. Blacksmith. Il est là-bas. Et voilà, j'ai gagné ma récompense. Et justement, je vais en profiter pour faire quelque chose sur mon arme. Qui va devenir de plus en plus puissant. Voilà, super. Merci Blacksmith. Il me reste donc juste le saloon et son. Ouais, de toute façon, j'ai plus de niveau, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Saloon, donc j'ai besoin d'un. J'ai besoin. Qu'il voulait lui déjà? Je sais plus. Comme quoi, c'est moche. Ok. Tiens, lui, je suis pas allé le voir, tu vois. Lui, je suis pas allé le voir. Est-ce que vous avez besoin de médicaments? Non, est-ce que vous avez des médicaments que je peux acheter? Ah merde! Oh non, ça c'est con ça! Mec, j'avais tout ça là! J'avais tout ça, je me suis débarrassé de tout ça, je sais plus dans quelle maison. Je ne sais plus dans quelle maison! Bon, allez, tant pis. Il est temps d'aller se faire ce shérif. Shérif. Putain. Frappe fort, l'enfoiré. Ma famille sera dans le manoir. Je ferais mieux de bien me préparer avant de faire face à Razapo. Hé bon. Leather hat avec diamant incrusté. Intéressant.
Merci, camarade. Je ne saurais que trop te remercier. Bon, on est pas mal là. Tiens, il me reste encore juste à aller voir ces gens-là. Parce que eux, je leur ai pas parlé non plus. Je suis désolé, mais tous les trains sont annulés aujourd'hui. D'accord. J'ai entendu dire qu'il y a eu une explosion sur la voie. Ah, fuck. Enfin, je m'en fous, je voulais pas y aller, mais... Ils vont encore dire que c'est de ma faute. C'est une nana. Chose pour moi dans ton machin, là? Non, rien. Bon. Tu. Aïe. Oui, je me suis pris un menton de porte, et alors? Hé. Allez, saloon. Let's go to the salon today. Let's go to the salon today. Tchoum. Salut mec. D'accord, compris. Le problème c'est de savoir combien de niveaux il me faudra pour mettre du protection 1 ou du protection 2 ou du protection 3. Je pense qu'on va se baser sur un petit. On va tenter le protection 2 quand même pour dire. Tu vois? De toute façon, au pire, j'aurai du protection 1 derrière. Alors, on va se mettre ça sur ça parce que c'est pas de l'armure en diamant. Coup de l'enchantement 12. 3. Voilà, impeccable. La merde. Il s'est passé quoi là? J'ai perdu mes niveaux là, non? C'est quoi ce bordel là? On se voit, il m'a pas tourné mes niveaux lui! Non, de mauvais niveau! Eh merde! Dead bug of the map quoi! Bon. Allez! Allez, on le tente. Ah oui, dernière chose à faire avant de partir. On se remplit le bidon. C'est quand même mieux. Alors, de la bouffe, ouais. Force. Healing. Ah oui, tiens, attends. J'ai oublié ça. En fait, on peut se faire quelque chose. Donc, on a dit. Ça, c'est bon. Et on va se mettre aussi les jambières avec la protection 1. Ah merde, j'ai pioché le niveau là pour le coup. Fuck. Bon. Tant pis, on est déjà pas mal à l'assaut du manoir. Rosado.
Rosado. J'ai arrivé, je vais te faire la peau. Bien, 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 bien. Je ne suis pas surpris de te voir. Peut-être parce que je suis ici pour arrêter tes plans diaboliques, Razapo. Je ne pense pas que j'ai à m'en faire. Ça fait bien longtemps que tu n'as pas vu ta petite famille, non? Sale Kun. Ah, je peux pas la voir. Et alors? Ma petite famille, ma femme est là-haut. Regardez, il y a ma femme et mon gosse. Oh, Enzo le clown, tu es venu nous sauver. Papa! Je suis vraiment heureux de vous voir, vous deux. Mais j'ai quelque chose d'important à terminer. Allez m'attendre dans le saloon. Vous y serez en sécurité. Mais que va-t-il se passer pour toi? Je dois arrêter Razapo avant qu'il ne cause d'autres troubles. Je parie que cet enfoiré est parti. Salaud. Ah, tu es là, Razapo. Viens ici, rascal. Est-ce qu'il est donc allé directement en enfer? Yacht! Une vieille mine dans le puits. Bien. Viens ici, Radapo. Et merde. J'aime pas du tout ce bruit-là. Est-ce que c'est le cheval de Razapo? Oh putain, salope. Qu'est-ce que? Où est-ce que je suis? Tu aurais dû me rejoindre quand tu en avais la chance. Tu aurais pu te retrouver à côté de moi, dans mon camp. J'ai maintenant le pouvoir d'invoquer les morts pour se battre avec moi. Je suis plus grand que tu ne peux jamais l'imaginer, moi. Dégage, sale con de. D'accord. Vous avez compris le problème? Ah putain. Je me fais attaquer déjà de tous les côtés. Ce qui est déjà pas une spécialement bonne idée. Et en plus de ça, il y a des saloperies de sorcières qui vont l'aider. Donc il faut d'abord que je me débarrasse de ces putes. Les atteindre. Je peux pas les atteindre. Ah, nausée! J'ai la nausée! C'est pas bon ça, c'est pas bon. Je ne suis pas capable de le tuer tant que les witches pourront. Pour l'aider. Est-ce que le fait qu'il y ait un objet là-bas.
pas terrible tout de suite. C'est la death. C'est la death reaction. Je ne comprends pas. Je ne sais pas du tout comment il faut le combattre. C'est un peu la death. Tais-toi. Oh. Est-ce qu'il y a un moyen de monter? A priori non. Est-ce qu'il y a un moyen de les tuer? C'est... Elle m'asperge le poison, elle le soigne elle aussi, et en attendant j'ai les espèces de saloperies qui me foncent dessus. Donc on est quand même mal barré. Je l'ai eu. Allez, prends ça. Voilà. Je l'ai battu. Je préfère aller. Je ferais mieux de le sortir. Cette place est en train de tomber en lambeaux. D'accord. Et comment je sors? Ah, juste là. D'accord. Et... Desperado! C'est la fin de la map, semble-t-il. J'ai réussi à battre Rosapo, qui était parti avec ma femme, son culeil. Ben voilà, je suis le meilleur porte-flingue du coin, on l'avait prévenu dès le départ. Mais j'aime beaucoup cette fin, vous voyez, ça fait un peu... En fait, je pense qu'ils ont... Tenez, il y a un petit texte. Ainsi, c'était ma vie. Très peu de temps après avoir défait Rosapo, J'ai reçu le poste de shérif à Ghost Dust Valley. C'est vraiment ironique. C'est vraiment ironique parce que pendant quelques jours j'ai été un hors-la-loi, un desperado. Maintenant, c'est mon job de remettre les gens comme lui à la justice. To be continued, ça veut dire à suivre. Credits. Voilà, c'est la fin de la map. On a vraiment réussi à aller relativement vite, hein, puisque c'est une petite série qui aura duré finalement 3 épisodes. Mais voilà, c'est une petite map sympa, moi j'aime bien. Donc on va remercier Auracloud qui aura designé cette map comme inspiration. Tous ses amis, donc c'est les têtes qu'on a pu voir un peu partout, et en particulier dans le bureau du shérif, Anystuff, Sir Vladimir, Nirgal Bunny, Seth Blink, c'est pas mal, Overcast Network, donc tous ses amis, sont, enfin du moins les gens qui l'ont inspiré dans cette aventure. On a eu aussi MC Edit, donc bref, on va pas continuer là-dessus, mais voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite aventure qui était vraiment toute petite pour le coup. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas encore quelle map je vais faire, je vais regarder de mon côté, et puis on verra ça à ce moment-là. Bisous à vous, ciao.